j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo ça sera pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé à action de menin menin est en belgique alors j'ai trouvé ça en nouveauté alors il y avait encore d'autres modèles il y avait des cœurs mais je ne les ai pas pris parce que bon c'était un peu trop voyant pour moi pour mes créations et j'ai pris une planche de chaque alors ça c'est pas très cher je vais vous donner le prix 72 centimes parce que je devais me rendre à action parce que j'ai plus d'enveloppe. Donc j'ai pris des petites et des grandes. Alors il faut savoir que les grandes sont trois enveloppes à euh, attendez, 95 centimes. Par contre je ne sais pas si c'est les grandes. Alors les trois, 95 centimes. Et les 5, 98 centimes. Voilà, parce qu'il y en a moins, il y en a plus. Y en a plus grand, plus petit. Plus grand, plus petit. Moins, plus. <laughs> donc là, il y en a trois pour les grandes. Et là, il y en a 5 pour les petites. Ça, c'est bien quand on doit faire des petits envois, des trucs comme ça. Voilà. Hop, comme ça, on peut envoyer en toute sécurité. Au moins, les produits ne sont pas abîmés. Je disais donc, voilà, pourquoi je me suis rendue chez Action. Parce qu'il me fallait des enveloppes. J'y vais presque plus. Euh, je vais vraiment euh, de temps en temps et encore. Euh, là, ça faisait un bout de temps que j'avais pas été. J'avais été dernièrement pour vous faire le hall et je suis retournée parce qu'il y a une, une copine qui m'a demandé de lui prendre euh, les vitrines. Je te fais des gros bisous, Isabelle. Je te fais un petit coucou. Et donc, bah, je suis allée pour elle. Et donc, euh, voilà. Bon, là, je suis retournée ce matin. Parce qu'il me fallait des enveloppes. Donc, je suis allée faire un petit tour. Bon, je vous, en, je vous, je vous raconte ma vie. Hein. Si, si. Je vous raconte ma vie. Bon, je n'avais pas trop envie d'y aller. Après, si je dois faire un petit envoi, ça va être problématique. Donc, bah, je me suis traînée à action. Si, traînée. C'est pour pas dire euh, forcé. Alors. Donc, là, j'ai pris. Alors. Combien il y a de pièces Alors 64 pièces et 4 couleurs différentes. Par contre, je vois que là, il y a un schmick blick. Bon, sans quoi, c'est pas ça, elles sont belles. Hein. Bon, moi, je vais beaucoup utiliser. Voilà, vraiment, cette partie-là. J'aurais bien voulu qu'ils nous font vraiment euh, tout blanc, tout rose. Voilà. Avec des couleurs flashy. Parce que bon, ça, moi, je ne suis pas trop. Euh... Mais bon, c'est pas grave. Je m'en servirai peut-être. Voilà. Ça, c'est bien. Pour Moi c'est bien, Donc, je me suis dit pour mettre sur une petite créa, c'est pas mal. Bon, y a pas mal de pièces, c'est pas très cher. Hein. Je vous ai dit euh, 72 centimes. Bon, ça va. Bon, j'en ai pas pris plus. J'ai pris une planche aussi, comme ça. Et il y avait aussi des coeurs euh, holographiques. Donc euh, voilà. Bon, là il y a combien de pièces? 42 pièces et il y a trois tailles différentes. Bon, moi je les pris principalement pour. Les blanches, celle-là. Bon, les dorées, je ne suis pas trop... Euh, ouais, Peut-être pour Noël. Ouais. On verra. Voilà. Donc là, j'ai pris ça. Alors, je vous ai demandé, quand j'avais fait le petit tour euh, du magasin, si les encres aquarellables étaient nouvelles. Alors, on m'a dit oui. Alors, je n'ai pas contrôlé euh, sur les anciennes. Je vous fais confiance. Donc, il y a du jaune orange rouge rose violet alors c'est des pots de 30 ml alors j'ai vu sur internet que y avait une, une dame elle faisait c'est euh, une russe il me semble moi je pense et en fait euh, elle faisait euh, la colorisation pour les... Comment dire Pour le papier crépon. Et elle faisait des fleurs avec. Ah, Je dit, ah, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que des fois, on, on achète du papier crépon. Il n'est pas très beau. Et pour teindre son papier, ça pourrait être pas mal. Bon, si j'arrive à le défaire, ça serait bien. Je me bats. Alors, est-ce que c'est bon Voilà. Bon ça surtout il faut pas les jeter parce que c'est bien c'est pour ranger quand on a son atelier hop voilà on peut les ranger il me semble que les pots sont plus gros qu'avant hein, quand même j'ai pas l'impression c'est des nouvelles couleurs pendant que je resserte euh, les miennes bon je sais pas alors pour disais, donc pour faire des couleurs de papier crépon ça peut être pas mal bon moi je les ai pris principalement pour le moment du moins pour euh, faire mes petites aquarelles, ça peut être pas mal. On va faire un petit test ensemble. Je vous montre un peu les couleurs, mais il me semble quand même qu'on en avait déjà eu des couleurs comme ça. Hein. Il me semble. Alors, c'est pas très grave. Alors, je vous montre le deuxième. Voilà, il y a un petit scotch. Sur le côté, voilà. Faisons-le en douceur. Ce n'est pas la peine de faire ça comme une sauvage. <laughs> voilà, hop. Bon, c'est vrai que les aquarelles liquides, j'en ai déjà acheté, mais je les utilise pas. Vraiment, parce que, bon, déjà, premièrement, je n'y pense pas. Et euh, ça peut être pas mal pour faire euh, des aquarelles. Alors, pour les couleurs, je vous montre quand même. Alors, bleu. Ça fait un bleu pétant quand même. Les couleurs ont l'air d'être belles. Vert. Très, très joli ce vert pour faire des petites colorélations euh, en hiver. Ah oui, oui, en hiver, i, vert. Oui, je sais, dans hiver, il y a vert. Oui, je sais. <laughs> Et i, h, i, c'est aïe en anglais. Ça veut dire bonjour, bonjour, vert. Ah, bah là, il n'y a, a pas d'étiquette. <laughs> bon, c'est un défaut. Ce n'est point grave, messieurs. Oui, dame Jeannette. <laughs> Allez, on va reprendre la feuille que je vous avais fait le test. On va pas faire de gaspillage. Hop, venez regarder. Hop, j'en ai une qui traîne. Alors, on va, euh, on va faire ça. Allez, je reprends ma petite palette. Mais un tout petit peu d'eau. Hop. On va mettre vraiment un tout petit peu, parce que je voudrais bien voir comment elle va se... Oh mon dieu, c'est une petite pipette. Alors, vous voyez, ça, c'est bien, c'est pas bien, parce qu'elle est vraiment petite. Allez, il faudrait que je regarde. Alors, attendez, on va essayer de vider ça. Vous quand on, voyez, quand on va la mettre, bah, euh, on va être un petit peu embêté au niveau du bas. Bon, je ne peux pas trop le pencher. Vous voyez, la pipette ne va pas très loin, en fait. Elle est quand même assez courte, c'est un peu dommage. Alors, je vais mettre une petite goutte. J'en mets pas beaucoup, hein, ça sert à rien. Voilà, C'est vraiment pour, euh, pour voir les couleurs. Alors n'oubliez pas, vous pouvez mélanger comme le rose et le bleu. Ah Bon bah, ça commence bien. Heureusement que j'étais au-dessus de truc. J'ai penché un peu trop. Bon. Ah Faites attention. Vous voyez faut faire attention. Voilà. J'ai voulu euh, en mettre. Et en fait, il était vraiment rembli, rempli à ras-bord. Oh, le petit coquin. Bon. Je vais essayer de bien fermer mes petits trucs-là parce que. Oh, non Je pas envie d'en avoir partout. que ça s'attache ça bien s'attache ouais, bon pas grave. à force de se laver ça partira mais qu'as-tu ton en fait que ah, je fais surtout attention à ma nappe blanche voilà alors allez on va faire un petit euh, un petit dégradé Oh, le bleu, il est beau. Ah oui. Vous voyez, ça, pour faire un, un ciel bleu, c'est très, très joli. Oh. La couleur, elle est belle. On dirait un siphon. <laughs> il y a la tornade qui arrive. Faites attention à vous. Voilà, je ne vais pas en prendre de trop. Ta un là tu m'en as mis partout. Partout. Ah, c'est un gris. D'accord, ok. Donc celui-là est un gris. On va regarder sur le. Ouais. C'est pas vraiment les couleurs. Excusez-moi, messieurs, dames, mais ce n'est pas du tout les mêmes couleurs. <laughs> Allez, le vert. Oh, ça me fait penser à, à une forêt. La couleur des, des arbres en hiver. Les couleurs, elles sont belles. Bon, concentrez-vous pas sur le rond, hein. Non, je vous l'ai dit, non. Hein. C'est joli. Regardez. La couleur là, elle est très très belle. Le vert, j'aime bien. Ça, vous savez, pour faire de la colorisation pour les, pour les cartes de Noël, ça va être pas mal. Le vert est un tout petit peu plus vert. Bah oui, c'est normal. <laughs> Allez, on va continuer. Hop, on va continuer à faire. Les petits tests. Test, test. Un deux, un deux. Test, test. N'importe quoi, n'importe quoi. Mais enfin, Christelle. Bon, on sert bien pour pas que ça se, ça se met partout. Alors, essayez de pas trop les ranger dans un espace qui est assez haut. Parce que des fois, on peut faire tomber malencontreusement. Je ne vous dis pas, vous faites tomber ça sur votre parquet. Vous avez un parquet de toutes les couleurs. Après, vous pouvez faire un arc-en-ciel avec. Hein. Si. Parce en plus, elle a l'air de bien tacher. Bon, en tout cas, elle tâche bien les mains. Ça, c'est... C'est bien. On va pouvoir faire euh, du maquillage. Donc, maquillez-vous pas avec. Ça, va pas le faire non plus pas étudié pour Non. Non, fais pas de tatouage non plus avec. Non, mais je pense que pour euh, pour teindre par exemple, comme je vous ai dit euh, sur la vidéo, pour teindre des du papier crépon, ça peut être pas mal. Hein. Oh, le violet il est beau. Bah, écoutez, je sais pas si c'est des nouvelles couleurs. Je pense, mais je saurais pas vous dire. Ah on dirait des tourbillons, hein. si si vous voyez franchement j'en mets pas beaucoup et la couleur elle est quand même assez vive. Hein. Ah il y a orange. Alors est-ce qu'il y a... Oui. Ah. pas. Les couleurs sont pas non plus... Le violet peut-être. Ouais. Wow, c'est un tout petit peu plus... Ouais, le rose, c'est pas du tout ça. Hein. Franchement, euh... loin de là. Le jaune. Alors, attendez, on va essayer quelque chose. Alors, je vous montre les couleurs que j'ai appliquées. Voilà. Donc, à partir du violet, on descend. Les couleurs, elles sont belles. Hein. Mais... Il y a une bonne couvrance. Bon, c'est pas sec encore. Là, c'est sec. Il y a une bonne couvrance, mais je trouve que ça fait, enfin, pour moi, pour ma part, je trouve que ça fait pas tellement aquarelle en fait. Je sais pas, si bon, je me trompe peut-être. Alors, attendez, on va essayer de le dégorger un petit peu, de l'étirer au niveau de la couleur. Vous voyez, là, c'est un tout petit peu plus aquarellable. On arrive vraiment à étirer la couleur. Je vais essayer de voir si je peux encore l'étirer un petit peu plus. On peut avoir quand même des teintes de couleurs. Ouais, c'est joli. Ouais. Là, je l'ai vraiment mis euh, sans trop d'eau. Je l'ai vraiment mis pur. On va essayer de diluer un petit peu celui-là également. Plus que vous mettez d'eau, plus, plus que vous arriverez à étirer la couleur, hein, ce qui est logique. Ouais, vous voyez là, c'est déjà des couleurs un tout petit peu plus euh, déjà euh, que j'aime bien. Un tout petit peu plus clair. Alors, je pense qu'il y a possibilité encore de l'étirer encore plus, plus, plus. Vraiment de vraiment ultra, ultra light. Vous voyez à vous de, de voir ce que vous voulez vraiment en tirer hein. c'est euh, ça peut être complètement différent d'un d'une couleur à l'autre après je vous ai dit hein, vous pouvez faire plusieurs euh, coloris hein. c'est pas euh... vous voyez là les couleurs sont un tout petit peu plus tendres moi je préfère alors je vous montre vous voyez alors ça c'est vraiment le rose dans les trois teintes là vous avez l'oranger vous voyez qui a vraiment été étiré. Là, celle-là. Et là, celle-là. On peut faire vraiment pas mal de choses. Je pense que si on travaille vraiment bien euh, avec l'eau, on peut vraiment arriver à, à un effet d'aquarelle. Parce que là, vous voyez, c'est quand même assez brut. Donc, c'est euh, un petit peu plus... Euh, comment dire Un petit peu plus vif au niveau de la couleur. Maintenant, si on étire un tout petit peu plus ce gris, je pense qu'on peut vraiment euh, ouais, travailler quelque chose de vraiment de très joli. Vous voyez non, moi je pense que ça peut être pas mal. Après, on peut faire des mélanges au niveau des couleurs. Je pense que, bon, je ne saurais plus exactement les mélanges. Euh, bleu et rose. Voilà, ça fait violet. Vous voyez, on peut faire vraiment des très très belles couleurs. Oui, hop, là j'ai mélangé euh, vert et bon marron. Je ne sais plus comment on le fait. Il faudrait que je reprenne mes couleurs. Euh, voilà, ça on l'apprend à l'école. Orange et rose. Et on peut faire d'autres couleurs. Faudrait que je reprenne mes bases. Jaune, euh, jaune et vert. Euh, je ne sais plus quelle couleur que ça donne. Je ne saurais plus vous dire. Jaune et vert. Je ne sais plus. Ouais. Je ne sais plus quelle couleur ça fait. Bon, c'est pas grave. Euh, enfin, bref. Ça à vous de, de voir ce que vous voulez vraiment. Euh, j'ai mis un peu de marron voilà jaune et bleu ouais non je pense que ça peut être pas mal pour euh, faire des petites créas euh. après vous avez quand même des flacons de combien c'est déjà de 30 millilitres franchement je vous dis hein, si vous faites de la colorisation avec ces petits trucs là euh, vous avez quand même de quoi faire pendant pas mal d'années. Hein. Vous avez de quoi vous occuper. Hein. À vous de voir l'utilisation que vous voulez faire avec. En plus, c'est bien, hop, il y a les petits trucs qui se referment. Voilà. Alors, moi, je vous conseille toujours c'est de remettre de remettre ça. Si vraiment, vraiment, par inadvertance, vous faites tomber, Là déjà il y a ça, ça risque peut-être pas. Enfin quoi que c'est du plastique, c'est du verre, ça casse. Hein. Ça dépend, tout dépend si vous le faites tomber de de dix mètres ou enfin 10 mètres, de de 3 mètres ou de voilà, vraiment très très bas. Hein. Après euh, bon, voilà. à vous de de pas le mettre trop. Enfin pour moi je le mettrai pas trop en hauteur. Hein. Moi les miennes je les ai mis vraiment en bas en bas. Comme ça, au moins, je suis sûre que quand je les prends, moi, parce que moi, j'ai la, la fâcheuse tendance à tout faire tomber. Malheureusement, depuis que je me suis fait opérer de main, euh, je n'arrive plus à trop bien serrer les choses, donc c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Je pense que vous êtes assez grand, donc euh, voilà. Allez, je vous refais un petit tour de, un petit zoom au niveau des couleurs. Voilà. Pas mal de choses. Je pense que ça peut être super joli. Voilà donc pour la petite colorisation du jour. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. J'espère que ça vous donnera envie de faire de l'aquarelle. Moi je vous souhaite une très très belle journée, vous voyez, avec les petits pinceaux de chez Action. Moi je vous souhaite une très très belle journée, donc faites les choses que vous aimez. Ah oui, et puis c'est vrai, j'ai oublié de vous dire hein. les aquarelles sont à 2,99€ en Belgique, non en France. Hein. En France, ils sont peut-être plus chers, je ne sais pas. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une très très belle journée, je vous fais plein de gros bisous remplis d'amour et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous Bye